mentionné dès le XIIIe siècle, le village de Besonvaux comptait 149 habitants à la veille de la Grande Guerre. Il était très animé au long de ses trois rues principales, la Grande Rue, la Rue Haute et la Rue Basse, sans oublier la rue de la Cour qui se trouvait à hauteur de l'aire de stationnement, aujourd'hui près de la chapelle. Avant la chapelle était une église datant du XVIIIe siècle. Son clocher était doté d'une vieille horloge qui date de 1830 et de deux cloches. À la veille de la guerre, c'est l'abbé Martin qui veillait sur ses ouailles et qu'on retrouve lors de l'inauguration de la chapelle en 1932. Ce jour-là, les anciens habitants du village se sont réunis dans un grand moment d'émotion. Ils sont venus parfois de très loin, puisque après la guerre, certaines familles sont restées implantées dans leur département d'évacuation. Le Jura, la Seine-et-Oise, Paris, le Puy-de-Dôme, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Marne, le sud de la Meuse et le Gard. Après l'inauguration, les participants postent avec plaisir pour la photo souvenir de leur retrouvaille sur cette terre de leur enfance. Les personnalités, bien sûr, mais aussi le maire Trousselard, l'abbé Martin et les habitants venus avec les premiers enfants nés loin de Besonvaux. Ces jeunes gens continueront, de génération en génération, à venir honorer de leur présence les journées du souvenir aux côtés de la doyenne du village, Madame Melchior, âgée de 88 ans en 1975. Pour clore cette journée inaugurale, les convives se sont retrouvés à l'hôtel Terminus à Verdun pour de joyeuses agapes. Là, ils ont pu évoquer les nombreux souvenirs des rues de leur village. Gustave Ferret habite tout au bout de la rue Basse, où il exerce le métier de vendeur de vaches et de moutons. Évacué à Marseille, il tient alors un commerce d'alimentation en gros. Il restera dans les Bouches-du-Rhône, où son fils fondera une famille, en se mariant en 1931 à Marseille. Dans cette même rue Basse se trouve le bistrot de Jean-Baptiste Nivromont, au bord du ruisseau. Une maison qui est chère au cœur d'André Maginot. En effet, pendant les mois de septembre et octobre 1914, il a tenu ici, dans le village, les avant-postes avec les volontaires de sa section du 44e territorial. C'est depuis ce bistrot que le sergent Maginot partait avec ses hommes à la pêche aux renseignements qu'il allait glaner sous le nez de l'ennemi. Les sorties nocturnes étaient très risquées. Et pour cause, lorsque Maginot fut blessé au genou, à une encablure de Besonvaux, 5 de ses hommes périrent pour le protéger. Parmi eux, un enfant du village, Nicolas Auguste Gilles, 38 ans, cité quelques jours seulement après sa mort avec ses camarades, à l'ordre des troupes du camp retranché de Verdun pour avoir défendu, pendant 8 heures, sous une grêle de balles, leur sergent blessé et avoir payé ce dévouement de leur sang. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il a disparu au bois des Haies, dans la région de Maucourt-sur-Orne, tout près de son village natal. On comprend que l'émotion soit à son comble quand, en 1927, André Maginot inaugure le monument aux morts dressé à l'extérieur du village et qu'il prononce son discours. Besonvaux, quel souvenir! Ce seul nom évoque et évoquera en moi jusqu'à mon dernier jour, lance-t-il à la foule. À côté de chez Nivromont se tient la maison de la famille Vatry. Alcide Nicolas Vatry est blessé dans la région dorsale par éclat de shrapnel en octobre 1914. Guéri,
Il repart au combat avec le grade de sergent. Il disparaît en Belgique lors de la bataille du mont Kemmel, le 25 avril 1918, à l'âge de 30 ans. Plus loin, à quelques pâtés de maison, au lieu dit le Ratantou, se trouve la maison de la famille Collin. Louis Collin, dont le père était charron, à Maucourt-sur-Orne, s'est installé à Besonvaux après avoir épousé une jeune fille du village, Émélie Léonie Pelletier, de 10 ans sa cadette, et dont le père est cultivateur. Tous demeurent dans la ferme située au bout de la rue Haute, entourant la maison du pâtre. Lorsque la guerre éclate, Émilie évacue avec son fils Roger et ses parents dans le village de Saint-Urbain en Haute-Marne, non loin de la famille Léonard. Louis Collin, qui a déjà effectué son service militaire dans les Dragons, reprend du service et se trouve cette fois dans l'artillerie. Après avoir séjourné quelque temps à Beuret-sur-Sault, dans le sud du département, et ne pouvant plus, comme ses concitoyens, reprendre une vie normale dans le village de Besonvaux, la famille s'établit à Maucourt-sur-Orne, village de naissance de Louis. Passons derrière la maison Collin. Là se trouve la maison du pâtre. Située à l'extrémité du village au carrefour de la rue Haute et du chemin de Douaumont, elle est acquise sur une propriété de la veuve Massel, le 2 décembre 1886. C'est Jean-Louis Melchior, âgé de 41 ans en 1893, qui en est le locataire. Sa fille, Marie-Gabrielle, sera en 1975 la doyenne des descendants du village où elle était née en 1887. Elle est décédée en 1977 à l'âge de 90 ans. Tout au bout de la grande rue, non loin de la maison du maréchal Ferrand, alors que le ruisseau s'efface sur sa droite vers le moulin, se trouve la maison d'un autre maréchal Ferrand, Amédée Remoiville. Il a épousé Marie-Julien Massel, avec qui il a un fils, Désiré, en 1898. Désiré ne connaîtra pas son père, car le maréchal Ferrand meurt 3 ans après sa naissance. Le soufflet cesse de battre dans la forge, qui deviendra bientôt une ferme, où Julia sera aidée par Désiré, qui deviendra en 1948 un des adjoints du président de la commission municipale de Besonvaux. En 1914, la famille évacue à Brovilliers, dans le sud de la Meuse, où Julia vit entourée de sa famille. Si, après la guerre, Désiré travaille comme chauffeur-livreur à Verdun, pour un marchand de vin, c'est en 1932 que la famille remonte à Besonvaux pour l'inauguration de la chapelle. Pratiquement en face, par-delà la rue principale, au milieu de la rue Basse, se trouve la maison Marchal. Paul Marchal, cultivateur, est originaire d'Orne. Il a les yeux bleus et les cheveux châtains. Il est dans l'infanterie et se trouve au Bois Chevalier, près de la Croix-sur-Meuse, lorsqu'il est blessé. Il meurt pendant son transfert et recevra une citation du corps d'armée qui raconte sa mort. Il a 39 ans et laisse une veuve et 2 orphelins. Désiré Arsène, née le 12 octobre 1909, et Germaine Juliette, née le 28 janvier 1913. Ses enfants seront pupilles de la nation. Son frère, Auguste Jean-Baptiste Marchal, est papa d'une petite Céline Marie-Louise, née le 16 novembre 1909. Incorporé au 19e bataillon de chasseurs à pied, il est blessé le 29 juin 1916, à quelques kilomètres seulement de chez lui,
au lieu dit Vaux-Chapitre, dans un bois qui se situe entre le fort de Vaux et Fleury de Vendouaumont. Transporté à l'ambulance de Dugny, il y meurt le lendemain. Léon Marchal, cultivateur, installé à Besançon, est le plus jeune de la fratrie. Il revient sain et sauf de la guerre, mais il a tout perdu de sa ferme, située rue Basse, et il s'installera de façon définitive dans le sud meusien, aux environs de Bar-le-Duc, où il reprendra son métier de cultivateur. À l'extrémité du village, juste après l'église, il y avait le château. Mentionné dès le XIIIe siècle, ce château n'est plus qu'une grosse bâtisse à la veille de la guerre. Le mur d'enceinte qui entoure la propriété protège également d'autres édifices et des cultures à l'intérieur de la propriété, comme la houblonnière qui permet à la brasserie de fonctionner jusqu'en 1865, date à laquelle elle devient une distillerie qui sera démolie en 1908. Un grand jardin, un verger et une vigne viennent alimenter les ressources des châtelains, notamment la famille Chêneval, dès le début du XIXe siècle. À la mort de Noël, c'est son fils Victor, alors maire du village, qui prend la suite avec sa sœur Félicité. Au décès de celle-ci, qui est célibataire, c'est sa nièce Antonia qui hérite et qui gère le domaine avec son oncle Jules. Tous deux sont également célibataires, et lorsqu'ils meurent, Jules en 1902 et Antonia en 1903, Christine Chêneval, veuve Trousselard, la sœur d'Antonia, devient la dernière propriétaire du château. L'élevage tient ici une grande place dans le village, car après les vaches et moutons de Gustave Ferré, voici Jules Léonard, le marchand de porcs. Natif du village voisin de Dieppe, il s'installe à Besançon, au milieu de la Grande Rue. Là, en novembre 1885, il épouse Marie Godefrin, jeune fille du village dont les parents demeurent au bout de la Grande Rue, près du château, non loin de la mairie. De leur union naîtront trois garçons et trois filles. Véronique Filbert, la maman de Marie Godefrin, est couturière. On la voit ici avec son balai et un petit-fils, Maurice, le dernier né de la famille Léonard, dont le jumeau, Paul-Emmanuel, n'a vécu que 3 mois. Alors que son grand frère Albert, de 8 ans son aîné, également marchand de porcs, est déjà parti se battre, Maurice, qui exerce le même métier familial, quitte le village en avril 1915, après avoir devancé l'appel pour partir à la guerre. Incorporé dans l'infanterie, il sera blessé au genou et gardera un corps étranger, entraînant son reclassement dans l'artillerie. Sa bravoure, en maintes circonstances, lui a valu d'être cité à l'ordre du régiment et d'obtenir la croix de guerre avec étoile de bronze, tout comme Albert, qui s'est distingué lors de violents affrontements à la fin de la guerre. Quand se termine la Première Guerre mondiale, Maurice Léonard s'installe comme marchand de porcs à Dombasle en Argonne. Après un court séjour à Poisson, en Haute-Marne, où une partie de sa famille s'est réfugiée avant de s'installer définitivement à Ligny-en-Barrois. Aux côtés de Jules et Marie vivent alors Albert, qui comptera une famille de 5 enfants, la sœur cadette d'Albert, Marie-Blanche, et la fille aînée de la famille, Gabrielle, qui a épousé en 1911 Léon Léonard, son cousin de Dieppe, lui aussi marchand de porcs. Derrière l'école, et derrière chez Léonard, en empruntant le chemin de la Périnerie qui longe le mur du château, se trouve la maison de la famille Lahaye. À l'origine, c'est François qui l'habite au milieu du XIXe siècle. Il est tisserand, puis ses fils Nicolas, François et Émile vont lui succéder.
François Junior a deux fils, Camille et Augustin. Émile a deux fils. Il y a Charles et il y a Célestin, qui sera cordonnier au village. Quant à Nicolas, il est le père de quatre enfants. Il est à la fois tisserand, garde champêtre, et avec son épouse Victorine, il tient un cabaret sur le sentier du moulin. Celle-ci avait pris l'habitude, raconte sa petite fille, de cacher l'eau de vie dans le clocher de l'église quand les clients devenaient trop exigeants. Émile, né en 1876, est l'aîné de Nicolas Lai. Il est domestique de culture lorsqu'il fait son service militaire en 1896. Vient ensuite Eugénie, née en 1878, qui se marie avec Henri Siméon en 1920. Théophile, le troisième enfant, se marie le 29 août 1910 avec Jeanne Leguet à Fleury-de-Vendoumont, où il s'installe comme maréchal ferrant. Incorporé dans un régiment de hussards, il est cité à l'ordre du régiment en octobre 1917 pour être venu en aide pendant un ravitaillement au conducteur de deux attelages dont les chevaux avaient été tués par des projectiles ennemis. Pour ces faits, il a reçu la croix de guerre avec étoile d'argent et le droit au port de la fourragère individuelle. Henri est le plus jeune de la fratrie. Marquère, lorsqu'il débute son service militaire, il est tout d'abord artilleur à pied, puis il est affecté, dès 1910, dans le chemin de fer de campagne, à cause d'une blessure à la cuisse. Il aura droit à la croix du combattant volontaire pour son nouvel engagement lors du Second Conflit mondial. En 1912, il se marie avec Yvonne Le Courtier. En 1916, à la mi-février, tous les habitants de Besançon furent évacués en prévision de la grande offensive allemande, qui finalement aura lieu quelques jours plus tard, le 21 février 1916. Deux jours après, Besançon tombe aux mains de l'armée allemande et va subir une lente agonie pendant les 10 mois qui vont suivre. Les déluges de bombes successifs effaceront progressivement le village jusqu'à le rayer définitivement de la carte. Situé à l'intérieur de la zone rouge, zone déclarée inhabitable après la guerre, Besançon ne sera jamais reconstruit et deviendra un des 9 villages officiellement reconnus morts pour la France.